Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, vendredi parce que j'ai le temps et parce que la boîte aux lettres était pleine de colis. Encore. Alors j'ai noté que je devais recevoir des bouquins, je dois en recevoir deux. J'ai vu qu'il y en avait un que j'attendais, donc ça c'est cool. Les autres c'est Pocket. Alors, je suis un petit peu peur avec Pocket, on est toujours ravis, mais bon, j'en demande pas tant. Un air d'éternité de Clarisse Sabar. Je me rappelle de l'avoir vu chez Eva de Posto et Valia. J'avais lu déjà Clarisse Sabar et celle-ci, ce livre-là, je me demande s'il n'y a pas une histoire de Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et ça a l'air cool ça. Il est gros, hein, 470 pages. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Voilà, moi j'avais lu Ceux qui voulaient voir la mer. J'avais pas aimé du tout. Mais c'est pas grave. Parce que là, je suis curieuse du coup. Voilà, et je crois qu'elle en a sorti un nouveau. J'aime beaucoup la couverture du nouveau. Je sais pas si on le voit. Ah oui, voilà. J'adore la couverture. Je la trouve magnifique. C'est Le secret des agapantes. C'est chez Charleston, bien sûr. Clarisse Sabar. Et il sort le 28 mars. On est le 29. Il est sorti hier. Suspense. Alors, polar ou pas polar? Dites-moi. Polar, pas polar, polar, pas polar. Moi, je dirais polar. Et ben polar. Louve noire de Juan Gomez Jurado, peut-être Jurado, je ne sais pas. Il est sorti le 21 mars et je ne connais pas du tout pourquoi. Pourquoi? C'est l'auteur du Roi Blanc. J'ai pas du tout vu passer. Et l'auteur de la Reine Rouge, mais j'ai pas du tout vu passer cet auteur. Je ne sais pas qui c'est. Je. Aucune idée. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Roi Blanc, voilà, c'est la trilogie, donc apparemment Reine Rouge, Louve Noire et Roi Blanc. C'est sorti qui? Fleuve Noir, ouais, dis donc. Alors, Antonia Scott est la Reine Rouge, pièce maîtresse d'une organisation européenne ultra secrète visant à résoudre les crimes face auxquels les forces de police conventionnelles sont impuissantes. C'est donc logiquement qu'elle est sollicitée quand Lola Moreno, la femme du trésorier d'un camp mafieux, disparaît après une tentative d'assassinat. Ok, très bien. Donc, c'est la même enquêtrice, a priori. D'accord. Voilà. Je vous ai pas lu, Clarisse Sabar? Lisa mène une existence tranquille à Châtillon, dans un petit village du Berry. Ah, d'accord, parce que Châtillon, je connais, c'est dans le sud de Paris. Mais l'amour de son fils de 10 ans, Tim, qu'elle élève seule, la comble de bonheur. Mais cet équilibre est chamboulé le jour où elle doit accueillir sous son toit deux membres de sa famille. Sa mère, mal remise d'une rupture douloureuse, et son grand-père, dont la vieille maison nécessite des travaux. Le père et la fille ne se sont plus parlé depuis 8 ans. Ouh. L'apparition d'un mystérieux coffret lors de la rénovation des combles va révéler un terrible secret qui tourmente le grand-père depuis son enfance. Lisa, plongée soudainement en pleine Seconde Guerre mondiale, va apprendre que les drames enfouis du passé façonnent le présent. Double temporalité, hors note. 14 juillet. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs parties? Pas l'impression qu'il y ait une double temporalité. Bon, bah écoutez, on verra bien. Merci Pocket. Et alors là j'ai peur. J'ai reçu une enveloppe de chez Pocket comme ça. Il n'y en a pas qu'un. Je pense que c'est une double sortie. C'est une double sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je l'ai vu passer celui-là. Oh là là! Le déversoir, les rendez-vous du dé. Mais c'est fou ça. C'est sorti hier. Alors je l'avais vu passer chez Vorpaline, une copine qui s'appelle Camille. Arthur Théboul, Le déversoir, poème minute. Que trouverez-vous dans ce livre? 105 poèmes minutes. Qu'est-ce qu'un poème minute? C'est un poème instantané, comme une photographie ou une soupe, souvent en prose, écrit en un temps compté entre 5 et 7 minutes. Ah ouais. D'accord. Donc c'est des poèmes comme ça, en prose. Ok. Ça doit être fou. Il est connu. Il est le chanteur et parolier du groupe Feu Chatterton. Oui, ça me dit quelque chose. Et il est dédicacé en plus. Waouh, merci. Ok, c'est gentil. Et donc ça, c'est le déversoir. Et là, on a l'adresse. Mais c'est fou! Les rendez-vous du déversoir, c'est dingue, ça. Et alors, est-ce que c'est les mêmes que ceux-là? Je ne sais pas. Mais
Le rêve a pris forme le 12 mars 2023 au 127 rue de Turenne à Paris. Arthur Théboul a ouvert un cabinet de poèmes minutes. Ah ok, le déversoir. Ok. Pendant une semaine, du matin au soir, il a accueilli près de 250 visiteurs. Pour chacun d'entre eux, il a écrit un poème, exerçant ce nouveau métier de déverseur, lui donnant sa toute dernière adresse, sa toute première adresse, pardon. L'ensemble de ses poèmes compose la majeure partie de cet ouvrage. Waouh! C'est trop bien! Mais c'est fou. Ah ouais, 20h19, 21h49, il y a les heures et tout. Ça doit être un peu fou comme truc, mais ça a picoré, c'était très très chouette ça. Merci beaucoup Pocket, mais c'est magnifique. Franchement, merci. Excellent. Excellent. Et alors, le dernier, je sais ce que c'est, parce que je l'ai vu passer, parce que l'auteur m'a contacté et que je suis trop contente. C'est Je te mens de Maxime Girardeau, qui est sorti chez Istia et compagnie. Et du coup, bah voilà, il m'a contacté parce que j'avais laissé un message sous un post et il m'a demandé si j'étais intéressée. Alors j'ai dit oui, je suis très intéressée, par contre, j'ai pas lu ni Persona ni Ego. Et il m'a dit c'est pas grave, c'est indépendant, il n'y a pas de problème. Et ça a l'air un peu dingue. Je vais pas lire le résumé, mais je sais que ça fait appel à ChatGPT. Il y a un lien avec... Alors lui, il est très intelligence artificielle, internet, toutes ces choses-là, réseau et tout. Et là, c'est sur ChatGPT et ça a l'air complètement dingue. J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Voilà, il a travaillé 10 ans chez Microsoft. Et ouais, il a fondé un incubateur de start-up. Oui, Persona en 2020 et Ego en 2022. Donc, je ne les ai pas lus. Mais Persona, on l'avait envoyé, je l'avais filé à mon beau-père, il faudrait que je le récupère. Et Ego, je ne l'ai pas reçu. Et pourtant, Magda en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et là, waouh, j'ai trop hâte. Donc, il faudrait que je... Ouais, ChatGPT. J'ai trop hâte de regarder ça. Et c'est dans les remerciements. Et je voulais savoir juste, est-ce que par hasard... Non, c'est pas... Je ne vais pas me spoiler. Oui, il parle de ChatGPT, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. Bah, dis donc. Oh, ah oui, c'est celui-là. Il est vraiment lourd. Il est super lourd, celui-ci. C'est chez qui? Édition Segers. Je ne connais pas du tout. Il est à 26 euros. Mais c'est un bel objet. Les poèmes se présentent comme ça, avec l'heure en bas de l'écriture. Et à la fin, on a le cabinet. Le déversoir. Alors ça doit être le site. J'imagine le site internet. Le déversoir. C'est marrant. Poème minute, c'est trop drôle, j'ai pas du tout entendu parler de ça, à part chez Camille. Je vous dis qu'il y a une copine qui aime beaucoup son travail. Hop. Donc il y a les prénoms et les heures des poèmes. Excellent. Lui qui est en train de chercher, tout ça. Ça fait partie de ces artistes un petit peu ovnis, j'ai l'impression, des temps modernes. C'est cool. Le déversoir. Voilà, donc il y a tous les... Bon, tout plein de trucs. C'est très chouette. Je pense que ça peut être un beau cadeau. Ah, ah ouais! En fait, il a un questionnaire qui donne aux gens, et les gens remplissent ça, pardon. Et je pense qu'il fait son poème en fonction de ça. Excellent. Qu'avez-vous pensé du poème? Y a-t-il un mot, une phrase qui vous soit restée? Excellent. C'est hyper complet, c'est hyper ovni, quoi. J'aime beaucoup. Cool, donc voilà, et puis alors le Maxime Girardeau, en avril, faut que je me le programme en avril, en avril, mais j'ai un planning complètement dingue, c'est n'importe quoi. Bref, voilà pour les ouvertures de colis du jour, je continue If We Were Villains, je vais essayer de le reprendre aujourd'hui, et si ça passe pas, ça s'arrêtera, c'est pas très grave, et ensuite je lis Duel. Ah bah non, je peux pas lire avant lundi, c'est un homme. Tant pis, je prendrai Shakespeare. Marie Sidney, on verra. Voilà, j'espère que vous allez bien, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. On est samedi après-midi, et je vous reprends pour vous parler de ce livre. Alors, hop là. Celui-là est en pause. J'attends qu'elle me parle de la fin. Je suis là. Voilà, je suis avancée, page 308 quand même. J'arrive toujours pas à accrocher, donc j'attends de voir. Moi j'ai une idée de la fin, Angie en a une autre. J'attends de voir. Si elle va me dire... Vas-y, continue, parce que vraiment, ça vaut le coup. Dans quel cas, je le continue, parce que de toute façon, il se lit très vite, ou alors je le laisse tomber. En parallèle, j'ai commencé ça, Shakespeare, le petit lien, et c'est passionnant. Mais c'est... Ça casse toute l'image qu'on pouvait avoir de Shakespeare, et ça creuse jusqu'au bout pour dire, en fait, rien ne prouve
que Shakespeare a écrit ses textes. Rien. Il était apparemment connu de son époque. Il a aucun remerciement de tous les poèmes qu'il a écrits à la cour. Rien. On ne sait rien de sa vie. On sait qu'il a été à l'école. Voilà. Il a épousé une femme. Il a eu des enfants. Il n'y a pas de traces écrites de beaucoup de choses. Et tous ses écrits, tous les lieux, toutes les femmes, tous les personnages qu'il utilise, les situations, les thèmes utilisés sont très 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 proches de la vie de Mary Sidney. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, j'ai lu 160 pages, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai mis 11 post-it sur des passages où je me dis, mais what? Alors, Shakespeare, je connais très 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 mal, je connais rien, enfin, je connais que des titres d'œuvres, je connais Roméo et Juliette, je connais la fin de Roméo et Juliette, mais je le connais parce que c'est un ballet classique aussi, je connais la fin parce que j'ai vu la fin du ballet classique, mais sinon l'histoire, le théâtre et moi ça fait 12, et Shakespeare je ne l'ai jamais étudié, donc je connais rien, très 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 vaguement, donc je ne suis pas une adepte de Shakespeare, de Hamlet, de plein de trucs comme ça qu'il aurait écrit, mais là elle nous pointe œuvre par œuvre tout ce qui n'est pas en lien avec l'homme Shakespeare et tout ce qui est en lien avec Mary Sidney, qui était une femme reconnue à son époque, première poétesse de l'époque, à écrire pour la reine, à être remerciée par la reine, érudite, traductrice en italien et en français, passionnée de chimie, de physique, mais c'est une femme incroyable, et clairement, c'est hyper troublant, vraiment. C'est super drôle parce que c'est présenté comme... comme un procès en fait, où il va y avoir les objets de l'enquête, les pièces à conviction, et puis là on arrive à la suspecte passe aux aveux. Et c'est génial, vraiment c'est super génial, c'est très drôle. Il y a un petit côté Titu Lecoq, et je crois que Titu Lecoq a bien aimé, justement, a beaucoup aimé cet ouvrage. Vraiment, j'ai lu que la moitié, mais foncez, c'est passionnant. C'est Talent Haut qui fait ça, je l'ai fait gagner pour Marceau Féminin. Et quand je les ai contactés, j'avais ce bouquin-là en tête parce que ça m'intriguait. Ils ont bien accepté, bien sûr, de le faire gagner. Mais franchement, je suis trop contente de lire parce que je serais peut-être passée à côté, à tort, parce que clairement, il y a plein de choses qui démontent Shakespeare, en fait, concrètement. Il y a des pièces à conviction, ils appellent ça des pièces à conviction, enfin, éléments de preuve, pièces à conviction, mince. Quand est-ce que je l'ai... Non, c'était éléments de preuve. Alors, c'est où ? Éléments de preuve, c'est des éléments de preuve. Et c'est des pièces à conviction aussi. Il y a plein de, à la fin, d'autres pièces à conviction. Éléments de, voilà, les éléments de preuve de Gaston. Gaston, c'est un personnage fictif que l'autrice met en scène. Et il y a des éléments de preuve sur chaque événement, chaque lieu, chaque personnage. Un truc avec la chimie, un truc avec la Bible de Genève, un truc avec le jeune public, avec les fêtes de Kenilworth. Avec le comte d'Essex, avec Sénèque, avec Antoine et Cléopâtre, et tout est pointé en disant lien avec Shakespeare, aucun. Lien avec Mary Sidney, plein. C'est vraiment, vraiment troublant. Quoi. Et il y en a plein, il y en a 22. Et à la fin, il y en a encore 30, 38, 45, 52, ça va jusqu'à 59, ça va jusqu'à 62. 62 passages pointés des œuvres de Shakespeare qui n'ont pas de lien avec Shakespeare. C'est fou. Alors, cet ouvrage-là est adapté librement d'un autre ouvrage qui s'appelle Sweet Swan of Avon, Did a Woman Write Shakespeare, qui est écrit par Robin P. Williams. Donc c'est librement adapté des recherches en fait. Donc, Robin P. Williams a fait des recherches sur cette femme et sur le lien avec Shakespeare. Et Aurore Evin nous raconte aussi beaucoup de choses par rapport à ça, cite énormément de poètes, d'écrivains, de choses comme ça. C'est hyper, hyper renseigné, c'est très pointu, mais c'est assez vulgarisé, c'est pas exigeant, c'est très abordable et ça se lit vraiment, vraiment bien. C'est fou. Donc, on sait. Voilà, je vais le reprendre, je le finirai, je pense, pour lundi soir, ce serait cool, il me reste 100 pages. Hein. Il est assez court, il fait 200... Alors, il fait, sans les annexes, 250 pages. Mais il y a 50 pages d'annexes où il y a des biographies de personnages, les incontournables, blablabla, la bibliographie élisabéthaine, toutes les œuvres qui sont citées, les éléments de preuve, donc dont je vous parlais, les pièces à conviction, et les pièces à conviction avec tous les liens
entre les personnages de Shakespeare et Marie-Céline. C'est fou. C'est complètement fou. Voilà, c'est génial. Donc je vais retourner à ça, et peut-être que je reprendrai If You Were Villain après, mais en tout cas là, je voulais vraiment vous en parler, parce que c'est un livre fou, complètement fou. Alors attendez, je vous cale. Je vous cale. Bonjour, nous sommes mardi matin, j'ai un rendez-vous à 10h, mais je vous prends deux petites minutes avant, pour vous dire que j'ai presque fini Mary Sidney, il ne reste rien du tout, parce qu'en fait, à partir de là, tout ça c'est des annexes. Coucou les recherches de dingue, ce bouquin est trop bien, foncez, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai survendu, je continuerai à le faire, foncez vraiment, c'est une pépite, j'ai mis des post-it partout, 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 partout. Si vous n'êtes pas convaincu, allez voir la vidéo de Jeannot, ce livre, si j'y pense, je vous la mets en barre d'infos, sinon vous tapez Jeannot, ce livre, peut-être que vous la connaissez déjà, elle a fait une vidéo sur ce bouquin, elle a fait des recherches, elle vous résume un petit peu ce livre-là, mais vraiment... Pour le lire là et pour l'avoir presque terminé, je suis complètement convaincue que Shakespeare n'était pas Shakespeare. Que Shakespeare, les textes de Shakespeare ont été écrits par Mary Sidney. C'est pas possible, il y a trop de noms, hein, de noms, preuves que Shakespeare est passé par là. Il n'existe pas Shakespeare, c'est pas possible, c'est une femme, c'est Mary Sidney, il y a trop de liens avec son histoire à elle, avec son passé, avec ses enfants, avec son mari, avec les lieux dans lesquels elle a vécu. Enfin... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà lu Shakespeare? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que si vous avez fait par exemple des études de lettres, je sais pas, on vous a posé la question, vous avez soulevé cette interrogation du personnage de Shakespeare? Parce que moi je sais quand j'étais au lycée, Shakespeare, il y avait des rumeurs comme quoi Shakespeare n'existait pas. C'était pas, ses textes avaient été écrits par quelqu'un d'autre, c'est que il n'existait pas. Il n'y avait pas de preuve de son existence. Et effectivement, il y a très très peu d'éléments de son existence. C'est troublant. Vraiment. Voilà. Donc, à mettre vraiment entre toutes les mains, exigeant sur les recherches, mais vulgarisant sur la forme, en fait. Et du coup, hyper, il est vraiment drôle, il y a des moments, en fait il y a deux autres personnages, il y a Gaston et Charlotte qui sont là avec l'autrice et qui discutent et qui sont pas forcément d'accord, et à un moment donné, je sais pas si je vais retrouver le passage, mais on est dans les pièces à conviction là, et il faut, il y a une espèce de escape game, c'est trop bien, voilà c'est ça. Oh je vous spoile pas parce qu'on découvre qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui font que Mary Sidney est très 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 impliquée dans les écrits là. Et puis il y a d'autres personnes, quand ces sonnets ont-ils été composés, nanana, qui est la dame brune, si William Shakespeare n'était ni gay ni queer, blablabla. Mettons-nous, résoudre ces énigmes va nous permettre de débloquer Gaston immobilisé devant l'hologramme, mettons-nous au travail, il en va de l'avenir de Gaston. C'est très très drôle, vraiment c'est très drôle, c'est très drôle. Mais de quelle manière autobiographique parle-t-on? Cette question déclenche un mécanisme qui nous rapproche de quelques dalles de pierre en pierre de Gaston, nous permettant d'accéder à l'énigme de la dédicace. C'est drôle, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, c'est intelligent. Foncez, vraiment, vraiment foncez. Même si, franchement, je connais rien à Shakespeare, eh ben, c'est hyper intéressant. Vraiment, vraiment foncez. Je continue dans le rouge, les tons rouges, avec Franck Leduc, duel, que je vais commencer aujourd'hui parce que Belfond m'a demandé de le chroniquer. Voilà, donc je vais le lire, hein. Sauf si j'aime pas, j'expliquerai que j'ai pas aimé, j'abandonne, mais j'espère pas quand même, il est écrit petit, il fait quand même 380 pages presque, hein. Et on est sur un fait divers avec, avec une disparition de cars scolaires, donc des enfants qui ont disparu, 66 enfants. Voilà, il y a le commissaire Shepherd qui est chargé de l'enquête, et en fait, je l'ai comment souillé à la pharmacie, parce qu'il est sur Google, Google Livres, et du coup, j'ai lu les 3-4 premières pages, hein. C'est pas grand-chose, mais il y a un truc qui m'a un petit peu énervé, un tout petit peu, c'est que il y a donc un homme qui s'appelle Édouard Journel, qui vient d'assassiner sa femme, et en fait, ils disent qu'il a assassiné sa femme... l'homme était venu trouver son épouse dans la boulangerie du quartier où il travaillait. Il lui avait tiré une balle en pleine tête à bout touchant devant des témoins médusés. L'événement maculé de sang, elle était reparti comme si de rien. Un fait divers, la probable déchéance d'un individu pensant pouvoir disposer de la vie de celle qui lui avait imprudemment, confié son amour. Non, c'est un féminicide, hein. C'est pas un fait divers en fait, hein. On se bat pour ça. Donc c'est un féminicide. Donc le fait... que ça soit pas employé, le terme féminicide, du merde quand même, 2024, hein, ça serait peut-être temps de mettre les bons mots sur les bonnes choses. Donc voilà,
J'en suis là, ils essaient de l'arrêter, mais ça n'a pas l'air d'être le gars. Je sais pas si c'est le gars qui a enlevé les enfants. Donc c'est vraiment le début, hein, je suis à la page 14. Donc je vous en redirai un petit peu plus. Ah. Jeudi. Peut-être jeudi. Ou demain dans ma salle de danse. Et puis j'espère le finir. Et ben jeudi. Comme ça après je prends mort d'une libraire que j'emmène en fin de semaine avec moi. Et puis la semaine prochaine, on verra. Voilà. Je vous en reparle vite et si jamais il y a des choses dans la boîte aux lettres, je vous reprends effectivement aussi. Bonjour à tous, on est jeudi après-midi. Je suis rentrée du boulot, je vais aller chercher mon fils tout à l'heure. Je viens vous parler de lecture passée, lecture présente et lecture reçue. Lecture passée, j'ai terminé Duel de Franck Leduc. C'est publié chez Belfond, c'est sorti début mars. Et il m'avait demandé de le chroniquer, donc je ferai une chronique. J'ai pas trop accroché à ce thriller, c'était intéressant. C'était rythmé. On suit plusieurs points de vue. Malheureusement, moi, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage, donc c'était quand même compliqué niveau distanciel de la lecture. Voilà, j'ai eu un tout petit peu de mal à vraiment rentrer dedans parce qu'en fait ça me paraissait un petit peu brouillon. En fait, on va suivre la police qui va enquêter sur la disparition d'un car et de 66 enfants ainsi que leurs accompagnateurs. Et on se demande vraiment où ils sont parce qu'il faut quand même le faire pour planquer un car avec tant d'enfants et des adultes. Ils sont dans les Pyrénées et ils sont dans les Pyrénées, je crois. Je crois que c'est dans les Pyrénées. Est-ce qu'ils vont nous dire Alpes, pardon, les Alpes italiennes, à la frontière des Alpes italiennes. Donc on a cette enquête. Au sein de la police, c'est Thomas Shepherd qui va mener l'enquête et il va être rejoint par une femme qui s'appelle Talia, qui va être un petit peu la négociatrice en fait et le contact avec les ravisseurs en fait. Donc ils vont réussir à les contacter. Et c'est elle qui va être en lien avec eux pour discuter et pour gérer une possible rançon, pour savoir où ils sont, pour essayer de filtrer l'appel pendant ce temps-là, pendant qu'ils appellent, essayer de savoir où ils sont avec toute l'équipe, tout ça. Donc elle va être assez importante. Mais Thomas Shepherd ne l'aime pas trop. Il pense que peut-être c'est une taupe, peut-être qu'elle pourrait être de l'autre côté, bref. En parallèle de ça, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Gérald Manzor. C'est Manzor, je crois. Est-ce que c'est Manzor? Je crois que oui. Mansour, pardon, Mansour. Gérald Mansour qui travaille à Marrakech pour une entreprise de télé, comment ça s'appelle, de télécom, mais téléconseiller, vous savez, les trucs avec les micros, machin. Et il fait plutôt bien son boulot. Et on va donc découvrir cet homme-là qui a un passé avec son père. Et puis on revient dans le présent parce que ça, ce qui se passe à Marrakech, c'est 2 ans, 2 ou 3 ans avant, je ne sais plus exactement si on nous dit 2 ans plus tôt, voilà. 2 ans plus tôt, donc on va suivre le parcours de cet homme, et en parallèle le parcours de la police, et en parallèle la disparition avec les enfants, et en parallèle le discours des enfants. Les enfants vont avoir quelques chapitres aussi pour expliquer au lecteur voilà, qu'est-ce qu'ils vivent. Enfin, c'est pas expliquer au lecteur, c'est qu'on va les suivre en fait. Donc on va savoir un petit peu où ils en sont eux, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Ils savent pas qu'ils ont été kidnappés, mais ils disent c'est quand même bizarre, on nous dit qu'on va en colo, mais on ne nous demande pas de nous laver, on ne nous demande pas de manger, on mange ce qu'on veut, on se couche à l'heure qu'on veut, c'est quand même bizarre. Voilà, donc ils vont un petit peu enquêter de leur côté. Donc tout ça forme une dynamique de lecture assez intéressante. Néanmoins, je me suis un peu perdue à certains moments dans l'histoire, parce que bah, comme je vous dis, j'ai pas trop accroché au niveau des personnages. L'écriture est bien, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est moi le ressenti que j'ai eu par rapport à cette histoire. Donc j'ai pas pu trop rentrer dedans. La fin est intéressante, mais voilà, soyez curieux. À chaque fois, je vous donne mon avis, mais soyez curieux, si ça vous intéresse, eh ben, essayez-le, empruntez-le, achetez-le, voilà. Mais il est intéressant, vraiment, et puis il a eu des prix, cet auteur-là, donc voilà, il a quand même une certaine maturité au niveau de l'écriture, hein, c'est pas un premier roman, et ça se sent, il est vraiment bien ficelé, mais moi, les personnages ne m'ont pas convaincue. Donc après, Céline Danjean en parle bien aussi, donc je vous le conseille, je vous conseille d'être curieux sur ce roman-là. Ma lecture en cours, je la sors de ma belle pochette à livres, c'est Mort d'une libraire de Alice Slater, et comment vous dire que je kiffe de dingue ma lecture. J'ai commencé ce matin. Voilà, j'ai lu 154 pages. J'ai eu du trajet, j'ai une pause ce midi pour lire et tout. Mais je suis dans un livre
qui parlent de livres, puisqu'on est avec deux jeunes filles, jeunes femmes qui sont libraires. Je suis un peu prise du nez, j'ai un peu éternué. Elles sont assez différentes. L'une admire l'autre, mais l'autre a des secrets. Elle pense qu'on la suit. L'autre va l'admirer, va aller un peu trop loin peut-être, va essayer de chercher, essayer de creuser un petit peu. Il y a presque un côté malsain. Je ne veux pas vous en dire trop. Ça se passe donc dans une librairie, en gros, hein, voilà. Et alors, il y a plein de références littéraires, il y a plein de passages très intéressants. J'ai cornouillé les pages pour mettre des post-it, parce que j'ai pas de post-it sur moi. Donc là, je vais les mettre. Parce qu'il y a des passages très vrais. Je vais peut-être le retrouver. Attends, mais c'est où? Est-ce que c'était là? Alors, c'est écrit où d'ailleurs? Mince. Est-ce que c'est sur la carte? Non. On en apprend beaucoup sur ses collègues d'après les livres qu'ils ne lisent pas. Ensuite, quand on est libraire, on apprend vite à cerner les goûts de ses collègues puisqu'on ne parle que de bouquins, du magasin ou des clients. Et j'aime bien poser des questions. Sharona est une littéraire pur jus qui n'a ni le temps ni l'énergie de tout lire, bien qu'elle se concentre sur les lauréats du Booker Prize, les petits éditeurs indépendants et la littérature étrangère, etc. etc. Et en fait, elle parle de quoi ? Les épreuves brochées sont l'un des grands avantages du métier de libraire. Les rejets des uns faisant le bonheur des autres, cela vaut toujours le coup de fouiller la réserve d'une librairie à la recherche de pépites oubliées. Les éditeurs nous envoient des tonnes de livres, cartons d'épreuves pour nous faire saliver sur les titres à paraître, exemplaires enveloppés de papier de soie et de rubans synthétiques accompagnés de cartes postales, de marque-pages et de badges, de pièces en chocolat, de biscuits en sachets individuels ou de mignonnettes d'alcool, car tout est bon pour nous séduire, nous courtiser, nous faire tomber amoureux. Et en fait, c'est un peu pareil avec les influenceurs littéraires. Hein. Quand on reçoit des colis comme ça, tout beau, tout bien emballé, on se dit « Waouh, c'est trop bien !» Des fois, le livre est trop bien. Preuve en est, c'est que j'avais eu une belle box avec ça, avec des badges, avec des cartes, avec un poster et tout. Un peu ironique finalement, parce qu'ils en parlent comme ça, mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien, parce que des fois, on reçoit des box et on est très déçu par le fond du livre et il n'y a que la forme qui est « Waouh !» Et finalement... Parfois, hein, je parle en connaissance de cause pour l'avoir vécu et pouvoir l'avoir lu, les box vendent du rêve et le bouquin, on se dit, la forme essaie de soutenir un maximum le fond, malheureusement le fond ne vaut pas grand-chose. Et ben là, ça vaut clairement le coup, c'est décalé, c'est un peu un ovni, c'est pas un thriller, c'est un roman un peu noir, contemporain, qui parle de livres, qui creuse un peu des sujets pas très cool, violence faite aux femmes... assassinat et true crime parce que les deux libraires ont un lien avec le true crime, soit elles en lisent, soit elles écrivent à partir de ça, il y a un lien avec ça et je pense que ça va creuser ce sujet là et ça va être hyper intéressant. Séverine l'a adoré, Jody des livres de la crypte l'a adoré, donc vraiment je leur fais confiance et je passe un très très bon moment. C'est chez La Croisée, c'est sorti début mars je crois, et elle, donc Alice Slater qui est cette jeune madame, est une ancienne libraire londonienne et une podcasteuse spécialiste de true crime. Peut-être que vous la connaissez. Elle aime collectionner les cristaux, errer dans la forêt avec son petit chien blanc et les livres dans lesquels des personnages désagréables se font des choses désagréables. J'adore. Et je trouve le bouquin beau. J'adore cette couverture, j'adore cette couleur éclatante orange comme ça. Et ça marche. Et c'est pas que la forme, le fond est trop bien. Donc je suis très contente de le lire. Je le lirai pas, enfin je vais pas le faire traîner. Je pense que je le finirai ce week-end. Et comme ça, je parle du nez, désolée. Et comme ça, après la semaine prochaine, j'attaque quoi? Je crois que je vais attaquer ma semaine avec le réseau de Jane. Parce que ça fait genre un an qu'il me tente, donc je vais peut-être enfin me lancer. Voilà pour la lecture en cours. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un livre qui est écrit par Laurent Kossler. C'est lui qui m'a contacté sur Instagram pour m'envoyer son livre. Ça s'appelle Maginot, les rescapés, l'épopée des annexés lorrains. Mon mari est alsacien et du coup, on va régulièrement en Alsace pour voir mes beaux-parents, tout ça. Et mes beaux-parents s'intéressent beaucoup à ça, la ligne Maginot, au malgré nous, à l'histoire de l'Alsace pendant la guerre, pendant les guerres aussi, les deux guerres, tout ça. Donc là, ça a l'air vraiment historique et intéressant et documenté. Je ne sais pas s'il y a à la fin... Ah, il n'y a rien ? Ah tiens, je pensais. Ok, donc il y a juste des personnages mentionnés, des biographies de personnages qui sont mentionnés.
1er septembre 1939, la guerre étire sa toile macabre. L'imminence des frappes allemandes propage une onde d'urgence sur les populations de la zone rouge limitrophe à la ligne Maginot. Les évacuations s'organisent avec en toile de fond le spectre de l'exode. Ce cortège de désespoir et de tragédie va paradoxalement être le terreau d'une improbable épopée. L'avènement footballistique d'une équipe d'exilés lorrains dont les exploits vont retenir bien au-delà de leur terre d'accueil de la Vienne. Victor Jansson, son charismatique capitaine, est également l'instituteur des enfants exilés. Il va dès lors nous livrer le récit d'une aventure collective fascinante, tout en nous adressant le tableau des réalités d'une population marquée au fer rouge, du déracinement et de l'annexion de son territoire par le Troisième Reich. Les victoires alliées font enfin souffler un vent d'espoir et de liberté quand la destinée le confronte à une ultime épreuve de toute la plus terrible à surmonter. Voilà, donc Laurent Kessler, parce que le Kessler c'est très bon, mais je crois qu'il n'y a pas de O dans le Kessler, originaire de Lorraine, marié, il a enseigné le judo avant une reconversion dans la fonction publique. Donc son écriture se veut la prolongation de son tempérament enthousiaste nourri par un besoin profond d'échanger, d'interpeller et de conscientiser au travers des mots. C'est un roman historique, romancé je pense, à partir de faits réels, de faits historiques, bien sûr, donc ça va être très intéressant. Et c'est aux éditions La Geste. La Geste. Voilà. Donc merci beaucoup, Laurent, pour cet envoi. Il est écrit gros, il est très aéré, il fait 300 pages, et je pense qu'il pourra plaire, moi il va me plaire, et il va sûrement plaire aussi à mon beau-père, et à tous ceux qui s'intéressent à cette période de l'histoire, qui peut être vraiment intéressante, je pense, parce qu'encore une fois, c'est toujours important de parler de la Seconde Guerre mondiale, mais là, c'est quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas, les exilés, la ligne Maginot, les rescapés, toutes ces choses-là, et je pense que ça peut être très intéressant. Donc merci beaucoup pour cet envoi. Laurent, voilà, je suis en vacances, vous savez quoi ? Je suis en vacances, ça y est. J'ai un peu de mal à réaliser, toujours pareil, parce qu'on a des tonnes de trucs à faire. Mais c'est cool. Donc là, je vais chercher mon fils. Oui, je vais chercher mon fils, je suis à la bourre. Et je vous reprends demain, peut-être demain. Je conclurai ce vlog aléatoirement. Vous saurez que c'est la fin. Mais je vous dirai ça demain, samedi, dimanche ou lundi. Je ne suis pas très pressée pour conclure le vlog parce que les semaines de vacances vont être très complexes et je ne pourrai pas vlogger. Donc, si j'étends un petit peu ce vlog à lundi, bah, c'est pas bien grave. Voilà. On est lundi matin et je viens conclure cette semaine de vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire au niveau lecture. J'ai terminé Mort d'une libraire qui était génial. C'est un ovni ce bouquin. Pour moi, il est inclassable parce que ça pourrait faire penser à du thriller. Ça pourrait faire penser à du roman gothique, à du roman noir, à du roman contemporain. Je ne sais pas où le mettre en fait. Et c'est bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est décalé, les personnages sont assez marquantes. Il est question de deux femmes en fait, de deux héroïnes. C'est un roman choral, on va suivre une femme par chapitre en fait, hein. Soit Laura, soit Roach. Laura est une... Elles sont toutes les deux libraires, elles vont travailler au même endroit. Roach y travaille déjà. Et Laura va y travailler. Laura est une femme qui a l'air un peu rebelle, punk, rock, tout ça. Mais avec ses petites manières. Elle écrit des poèmes. Et elle semble avoir un passé un petit peu compliqué. Roach, quant à elle, m'a fait un petit peu penser à Daria. Vous savez, cette série américaine, Daria, c'est un peu la sociale, qu'on n'a rien à faire des autres. Ou la copine de Daria aussi, un petit mélange entre les deux. La copine gothique de Daria, voilà. Elle est très introvertie, elle adore les livres, mais en même temps, elle ne sait pas tout, elle se cherche encore, et elle a besoin de références, elle a besoin de piliers dans sa vie pour se construire. Laura va être un de ces piliers-là, elle va trouver en elle quelqu'un qu'elle aurait aimé être, et qui écrit bien, et elle va se passionner pour cette femme-là. Et là, ça commence à prendre une ampleur un petit peu particulière. Je ne veux pas vous en dire plus. On sait dès le début que Laura meurt. Enfin, Laura disparaît. Elle est plus là. Enfin, on le dit dans le prologue. Qu'est-ce qu'elle dit dans le prologue ? Attendez. Voilà. Bon. Moi, j'ai cru qu'elle mourait. Je peux vous dire, peut-être, elle meurt. Je n'ai pas vous révélé la fin, bien sûr. Mais écrit à Noël, Laura Bunting n'était plus des nôtres. Et c'était de ma faute. N'était plus des nôtres.
Ça peut. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant, ah, ok, elle est morte. Voilà. Morte d'une libraire, hein, c'est un petit peu explicite quand même. Donc, je pars avec cette idée en tête. Et on va comprendre tout le chemin, tout ce qui s'est passé entre septembre et Noël. Et tout ce que Laura vit, et tout ce qu'elle a vécu dans son passé, puis tout ce que Roach vit aussi, en lien avec Laura. C'est un peu du voyeurisme, c'est un peu malsain, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est pas que j'aime pas, j'aime le malsain, c'est juste que c'est très bien fait et que les émotions sont assez justes. Les personnages sont vraiment attachants. Dès le début, on sait qui est qui, et ça, j'aime beaucoup, vraiment. Des descriptions de personnages dès le début, comme ça, on cadre vraiment le personnage. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un petit coup de cœur quand même, parce que c'est un ovni, parce que c'est hyper original. C'est bien écrit, c'est haletant, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça se passe dans une librairie. Et vraiment, c'est top. J'ai mis des post-it et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je n'attendais rien de ce bouquin. Alors, quand les éditions de La Croisée m'ont proposé, je me suis dit que c'était original, okay, et que la couverture était vraiment belle. Et ben, il n'y a pas que la couverture. Vraiment, c'est vraiment chouette. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Il est quand même à 23 euros. C'est un budget, je le reconnais. Il est beau, il est tout mat comme ça, un petit peu carton, tout ça. Il est très très beau. Elle était au Quai du Polar, cette autrice-là, ce week-end, et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient rencontrée, qu'elle était super gentille, et qu'ils avaient très hâte de lire son livre. Et je les comprends, parce que j'aurais beaucoup aimé la rencontrer, cette autrice-là, franchement, parce que c'est original, et ça fait plaisir d'avoir des romans comme ça, originaux, inclassables, mais que t'as beaucoup aimé. Donc, vraiment, Mort d'une libraire, s'il croise votre chemin. Dites-vous que. À lire peut-être. J'ai lu aussi, je viens de le terminer, Profanation. Je l'ai pris en grand format parce que Albin Michel m'a envoyé tous les Jussi Adler-Olsen pour le challenge qu'on fait avec Estelle. Donc moi je les ai en format Albin Michel. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Profanation, on est dans un tome 2. Il y a une enquête qui est confiée à Karl et à Assad, son assistant. On va avoir un nouveau personnage. Pour l'instant, il n'est pas trop développé, je trouve. Donc j'en attends un peu plus dans le tome 3. On va suivre une enquête, une ancienne enquête, autour d'un meurtre qui a été commis dans les années 80 par une bande d'amis, visiblement. Mais on n'en sait pas plus que ça, on ne sait pas trop de choses là-dessus. Et peut-être que les personnes accusées ne sont pas les bonnes. En parallèle de ça, on va découvrir une femme qui s'appelle Kimi, qui vit dans la rue, mais qui semble avoir choisi de vivre dans la rue. Et on va aussi découvrir pourquoi elle a un passé un petit peu lourd, elle transporte une boîte un peu particulière avec elle. Elle a des amis un peu spé. Voilà. Et tout ça fait que c'est hyper rythmé. D'un chapitre à l'autre, on change d'action, on change de personnage. Vraiment, j'ai pas l'impression que c'est du polar nordique. Franchement, c'est danois, hein, je crois. Et vraiment, c'est. Non, suédois. Bref, polar nordique. Et vraiment, ça m'a complètement réconcilié avec le style parce que cet auteur-là dépote au niveau action. C'est drôle, il y a des phrases. J'ai ri, j'ai mis des citations sur Babelio, ça m'arrive jamais, mais j'ai l'application maintenant Babelio. Et je peux mettre des citations. Donc j'ai fait copier-coller d'une photo, tout ça. Il y a vraiment des trucs assez drôles, quoi. C'est cynique à mort. Et je m'attendais pas à ça dans un polar nordique, quoi. Donc très bonne surprise, très contente de Profanation. Le troisième, c'est Délivrance. Alors, le tome 10 sort en mai. Je n'aurai pas le temps de lire les 7 autres, donc je vais choisir. Je pense que je vais lire le tome 3, et après je vais lire celui qui me tente le plus niveau histoire, en fait. En sachant qu'après on peut lire indépendamment, que je sais que Karl, il a cette situation-là, il est avec Assad, enfin il est avec Assad, il travaille avec Assad. À la fin du 2, il y a quand même une petite info sur un ancien collègue à Karl, qui m'intrigue beaucoup et j'ai bien envie de suivre la suite en fait, donc c'est pour ça que le 3 me tente aussi. Le 10 va bientôt sortir, je vais bientôt le lire en avant-première pour le challenge aussi, parce qu'on prépare une surprise avec Estelle, des surprises même. Donc restez aussi dans le coin si vous êtes fan de l'auteur, parce que vraiment ça va valoir le coup et ça va être très chouette. Donc Profanation, très bonne lecture. Ils sont vachement gros quand même, il fait 530 pages. Alors peut-être qu'il y a des longueurs, peut-être aussi que j'ai mis du temps à lire, que j'étais pas dans un super contexte pour le lire à certains moments. Mais ouais, c'est quand même un peu long. Mais c'est trop bien. C'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Sinon, niveau lecture audio, je suis dans Shutter Island. Et je suis vachement bien dans Shutter Island. Là, j'arrive à la fin. Je sais des choses.
Donc j'ai pas le de personnes qui ne connaîtraient pas cette histoire, mais c'est quand même vachement intéressant. C'est bien écrit, c'est noir, c'est hyper bien construit, y a rien à enlever. Tu sens que c'est le gars, il s'y connaît quand même, hein, il sait écrire, il a un petit peu de métier. Quoique, je sais même pas si c'est son premier. Non, quand même pas. Il est sorti quand? Alors celui-là c'est 2023, mais j'ai pas la date de sortie de base. Ah si, il y a plusieurs séries. Série Kenzie et Gennaro. Ok, je connais rien. Je ne connais rien de cet auteur à part Shutter Island. Et Le Silence qu'il a sorti. Ah, Mystic River! Ah ouais. En tout cas, on est dans du bon polar, bien construit, bien haletant, bien tendu. Et c'est trop bien. Donc je le finirai demain, après-demain, je verrai. Et je commence aujourd'hui. Le réseau Jane. Que j'ai envie de lire depuis un an et qui a l'air trop bien. Qui a l'air trop bien, ça se passe au Canada. L'autrice est canadienne. Il fait 400 pages, 430 pages. Et je vais l'engloutir en 2 jours, a priori, puisque je suis en vacances et j'ai un peu de temps, malgré mes vacances assez chargées. Je vous en dirai plus à la fin de mes vacances. Donc voilà, je prends celui-là avec moi, j'en prends d'autres aussi. Je conclus ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve pendant ces vacances avec 2 vidéos qui sont déjà prêtes, déjà montées, programmées sur YouTube. Et puis je vous dis à très vite. J'essaierai peut-être de vloguer un petit peu quand même. Et je vous mettrai un mini-vlog peut-être dès que je peux. Voilà. Et je vous retrouve de toute façon après les vacances et puis dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous lisez en ce moment, quels sont vos coups de cœur comme d'habitude. Racontez-moi tout, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires et à y répondre parce que j'ai plein d'idées aussi moi. Enfin, je note vos idées de lecture. Des fois, vous m'éclairez sur un bouquin, des fois, vous répondez à des questions que je me pose, c'est trop bien. Donc, je suis bien contente de vous avoir. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour le boulot si vous bossez et puis à bientôt.